Can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out on life, bro. Damn, son, where'd you find this? Eh bien, salut à tous, aujourd'hui c'est Black King, on se retrouve pour une petite vidéo sur Zonix. Là, je suis sur un alt, je l'ai monté à 1250€, histoire de bien commencer une losserie aussi. J'ai réglé mon microphone pour que vous entendiez mes clics. Mais par contre, je sais pas si ma voix vous dérangeait, parce que mon micro, du coup, la qualité est un peu moins bien qu'avant. J'ai grave galéré à le régler. Bon, on va lancer un ranked, et c'est parti. J'espère qu'on va vite tomber contre quelqu'un. Bon, je prends tout à l'heure, j'ai un deck de tomber contre quelqu'un. Même pas besoin en fait. On est contre... il est famous, vite fait lui je crois. On va attendre un peu. Voilà. On va voir. On a quelques secondes d'avantage de speed sur lui et c'est parti. Bon, il est pas trop fort. Il met des combos. J'espère ne pas pot like parce que je suis pas hyper chaud là. Je sais pas si j'ai une bonne aim là. Mais de mon point de vue ça va, franchement. Par contre lui, il est vraiment nul. Je sais pas pourquoi. J'en souviens sur long, je l'avais genre 1300-1400€. Mais là, il pue la merde. Genre franchement, il pue la merde. Là aussi pour vous dire, je joue sur le US de Zonix, je joue pas sur lui parce que au fait le U je le déteste tout simplement. J'aime pas jouer sur le serveur UU. Déjà la communauté elle est un peu beaucoup plus toxique que sur le US. Puis c'est plus malin des enculés des US qui croient que grâce à leur ping ils vont gagner. Alors que le ping ça fait rien du tout sur Minecraft, c'est la latence qui change. Plus vous avez de ping, mieux vous avez un reach, ça dépend de votre latence mais c'est ça le principe. Là je joue sous 4G, j'ai 120 ms, même si on dirait pas du tout parce que je fais un petit truc pour dire ma latence genre en basse. Il a plus de speed alors que moi j'ai de speed, on va perdre. On va lui mettre 2 coups, 3 coups, on a gagné 3 coups sur lui. Il a mis un combo, par contre il ne tape pas derrière, ça j'aime pas. Bon, que fais-tu vous deux? Oh le PD. On met un combo, voilà. Vas-y. Bon, on l'a mis un peu beaucoup de potes là, je crois. Ouais, bon, on l'a mis au moins 15 potes là. Cool. On va se perdre. On l'a un peu troll et c'est parti. Par contre lui il a gagné des coups d'avance. Je vais faire le PD à courir et à régène. Vu que j'ai pris trop de speed là. Ensuite je vais changer mon kit. Bon c'est parti. J'ai dû bouffer avant mais bon pas grave. Faut-tu un petit combo dès le début. Un deuxième. Là j'ai un petit butterfly. On spot vite. On se perd. Putain j'ai fail. Je fais, c'est pas bien ça. Allez, le série, je veux le faire durer au moins... Allez. On va essayer de faire un truc clean des 10 minutes. 10, 15, ensuite je vais voir comment ça part. Je vais essayer de monter à 1400€. Normalement ça devrait aller vite parce que là on est tombé contre des gens qui avaient assez beaucoup de lots. Surtout lui, il va me faire monter des 20 lots. Même plus. Ah voilà, vous avez vu le hit que je viens de faire là, genre il était en dehors de ma range. Ça c'est grâce au regadit que j'ai mis au fait. Les gens le voient bugger, pour moi c'est totalement fluide. Mais en fait pour le serveur c'est bugué aussi, du coup le serveur il prend en compte mon placement sur un autre endroit et du coup ça fait le hit. Pour le serveur j'étais tout près du joueur normalement. Et là aussi. Et au passage je vais mon regadit à 15€, Paypal, sur Skype, ajoutez moi, lol, la pub en plus vidéo. MDR. Bon, on continue. Voilà, on bloque pour faire un moins de dégâts. Putain, j'aime pas trop mal là. Oh putain, je fais pas de lag.
je fais que de la merde là. Mais reste 42 secondes. Putain, que de la merde. Vas-y, viens toi là. Dans le coin, je pue la merde. Il faut un petit combo. Voilà, un combo à la demande, c'est parfait ça. Oh putain, c'est dans la merde là. Bon, quoique. Je crois que ma connexion a commencé à un peu laguer, du coup, c'est tant mieux pour moi. Putain, je peux pas reperdre. On est il doit lui rester plus de potes. Non, me dites pas que je veux perdre. Non, ah non, quand même, putain. Je crois que je les perds contre un mec qui je fais le combo. Bon, lui il avait. Attendez, j'active la durabilité. Je viens de réinstaller Minecraft et reset mon PC. Du coup, ça c'est reset. 37 et moi 29. Ok, en gros, je lui ai mis au moins 20 coups d'avance. Voilà, il me dit même rich. Bon, on est contre Abstra. C'est parti. Vivement que je me fasse de bannir de Zonix. Ah, en fait, je me suis fait bannir de Zonix il y a quelques jours là. Genre, j'étais en train de duel Punish Me Senpai. Je postais une des fights que je fais hier. Ouais, pour vous, ça sera hier. Et en gros, pendant cette fight-là, je me suis bannir. Genre, c'était même pas genre. Sans screen share. Je me suis fait screen share. Ensuite, j'ai encore pu perdre pendant 2 heures. Voilà, sans problème. Et ensuite, c'est Dux qui m'a banni pour manual anti-cheat ban. Du coup, en gros, c'était même pas pendant une screen share ni rien. Bon, ça fait un peu chier. Il m'aime pas du tout ce mec. J'avais enculé une fois en rank 4, je me souviens d'une. Peut-être ça coûte ça. Putain, pourquoi c'est pas heal? Je vais plus lui pétasser heal. On maintient son item block un peu plus longtemps. Comme ça pour donner plus de comeback aux gens. Mettre des meilleurs combos. Des meilleurs statlines enfin, surtout. Voilà comme ça. Je sais même pas pourquoi je me suis pote là. On saute un peu pour mettre un peu plus de dégâts. On spot, on se perd. On continue. Et on continue. Là, il nous a eu ce autiste. Non, est-ce que je vais mettre 2 coups? 1, 2. Ouais, c'est bon. Bon, j'ai quelques coups d'avance sur lui. J'espère que je vais pas faire de la merde pour lag. Par contre, je dois aller éditer mon kit ensuite parce que là, c'est vraiment de la merde. On replace nos potes, voilà. Comme ça, pour se refill beaucoup plus vite avec les 2 touches, faire du 20 CP sans refill, c'est grave pratique. On lui fait des petits QD, comme à Zayna. Non, me dites pas que ma quoi crash. Non, ça va pas aller ça. Et bon, c'est la partie. Ah voilà, c'est bon, lui il est famous en plus. C'est un ancien stealth, c'est Eldogo. On boit sa speed après lui, on va pouvoir l'aggro. De toute façon, j'ai pris les mauvais kits, du coup, il a au moins une porte d'avantage. C'est la modification kit, il a pris 3 speed. Il faut un petit combo. Et c'est parti. Putain, j'ai pris du 1000 dégâts avec le dégât de chute. Putain, ça peut être les coups les 4G. Il manque que je me fasse une dent, franchement. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, j'espère vraiment que vous attendez mes clics. Parce que tout à l'heure, j'ai plus la peine de dérégler mon micro. Mais genre, on les attend, mais genre, vraiment un peu. Mais moi, ça doit être bon. Genre, mais ma voix, elle est quand même forte. Ça peut être vraiment les couilles des push du talk sur les micro laser pour ça. Mais sinon, c'est grave bien. Bon, il est pas hyper fort pour l'ancien style quand même. C'est pas Virus, mais Virus, il est un peu fake, sa force. Comme son aim et comme tout le reste. Un de quoi yeah. Bon,
Voilà, c'est fait. Il nous aggro. Non. Est-ce qu'il va faire... Oui, il est pédé. Il a foutu un gros combo en échange, là. Il a tout perdu avec sa perle. Il s'est pris genre un cœur avec sa perle, vu qu'il l'a pas bloqué, vu qu'il est con. Pas un demi-cœur comme moi. Ensuite, il s'est pris un combo de 4 coups. Il est sur un plan là encore. Non, sa perle, c'était mortel pour lui. Voilà, comment je peux l'aggro. Ah putain, ma perle. S'il vous plaît. J'espère que je l'ai pas heal. Je l'ai heal. Je lui ai mis combien de potes? 4 potes. Et le logo, 0 potes. Bon, c'est pas mal. On est à 1300, on va essayer de monter encore. On les clients. Ok, c'est parti. J'essaie de faire une vidéo plus longue pour une fois. Je sais pas, 15 minutes, on va essayer. Avec tout le copier, ouais. Là, c'est parti. Ah, c'est pas mon délire, les 4G. J'ai pas autant de reach, j'aime pas ça. Puis je prends un peu plus de knockback, mais ça se passe encore. Je préfère faire encore plus de knockback, mais avoir un peu plus de reach aussi. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, quoi. On compense le reste par le gameplay aggro, quoi. Allez. Un petit trait là, au calme. On continue. Non plus, il est pas fort ce mec. A mon avis, du fait, à mon avis, il va me accuser parce que j'ai le combo. Putain, mais ça pète les couilles, les carottes en or. Je dois le bouffer plusieurs fois si je veux rajeun. Les steaks, c'est grave mieux qu'au fait du pote. Et je vous le conseille, les gens, vraiment, genre, fortement. Et allez voir mon tuto trahir, j'explique comment gérer mieux mon hunter. Pour mieux trahir les adversaires. Et surtout, économiser la masse de potes. Donc, des réactions et des placements. Bon, on l'a mis à combien de potes lui? 7. J'avais 9, 5. Ok. J'avais 7 potes de plus que lui. Bon, là, je viens de retomber contre lui. Le mec qui m'a fait pote là tout à l'heure. J'ai juste vite fait l'enculé. Il m'a fait chier tout à l'heure. On va juste vite fait le défense, hein. Attends, c'est moi qui bouffe. Ok, accusé. MDR. Je me demande si ça peut bien être le Aldeki. Accusé, je sais pas. Non, les anglais. C'est encore un cours de livre. Aucune idée. Enfin, il est américain. Du coup, c'est encore un cours. Voilà. Drummer joue pas ici sous alt, du coup aucune idée qui sait bien ça peut bien être. Mais plus qu'au critique, du coup on peut l'aggro tranquille. C'est pas il sur nos heals, du coup ça posait plus les cons. Je devais manger plus speed. Voilà, c'est parti. On a
On y ça, je vais plutôt poster un épisode 2 de la série, non pas le 1. Parce que le 1, sinon, il serait trop long. Ouais, je ferai ça en 2 épisodes. Là, je continue la série, encore, je vais faire des enquêtes. Ouais, bon, on a un cul là, plus loin. J'espère ne pas foutre la encore une fois. Ça me ferait un peu chier. Je lui fais fail sa porte normalement. Ouais, il m'a dit. Voilà, on a mis combien de portes là? On a mis 9, 10, 11 portes. Et bon, les gens, là, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette série, de la qualité du micro et tout ça. À mon avis, je dois régler encore le micro et surtout n'hésitez pas à me laisser un like parce que c'est vraiment chiant de faire du gameplay en tryhardant et en même temps en commentant parce que quand je vais monter vers les 1500 ça va être vraiment compliqué de commenter tout ça et se concentrer contre les gens bons. Même si là je fais le halt d'un mec plutôt bon et le dogo, même si les deux je les défonçais. Bon, sur ce, les gens, je vais encore des custom gadget, tout ça sur Skype, si vous voulez des clients privés ou autres, c'est plus de 100 euros. Et allez me follow sur Twitter, abonnez-vous. Bon, sur ce, c'était ZBlackKing, peace.